What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, on va parler des emotes dans Destiny. Donc vous le savez, il y avait des emotes qui étaient disponibles dès le début du jeu, notamment le salut, le fait de pouvoir s'asseoir, il y avait également une petite danse. Et par la suite, Bungie nous a permis d'acheter des danses. Alors à l'époque, on se disait oui, c'est quand même un attrape-couillon de pouvoir acheter des danses, ça ne sert à rien. Et finalement, ça a rajouté un petit côté fun au jeu, vous savez. À la fin d'une partie d'Osiris, voilà, vous pouvez chambrer, faire une petite danse. Quand l'ennemi en face il tryhard ou qui campe, ça fait toujours un petit effet, vous savez. Même en PvE, quand vous réussissez un raid, vous êtes en équipe, hop, la petite danse de la célébration. On l'a tous déjà fait. Et franchement, c'est un petit geste qui est quand même sympathique dans le jeu et qui ramène, voilà, un petit plus. Alors, je dis pas que, voilà, il faut être non plus dans du désagréable, mais c'est vrai que ça ramène un petit côté fun au jeu que j'affectionne particulièrement. Et du coup, dernièrement sur Twitter, je vous ai demandé quels sont les emotes que vous aimeriez voir dans Destiny, notamment dans Destiny 2, parce que voilà, on sait que les emotes vont sûrement revenir dans Destiny 2, ils vont nous permettre encore une fois de pouvoir en acheter. Et du coup, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir dans Destiny 2? Alors avant de passer à vos réponses sur Twitter, je vais tout simplement vous montrer moi les 3 emotes que j'aimerais bien voir arriver pour Destiny 2. Alors vous les connaissez forcément, vous les avez déjà vus. Voilà, on va passer à la première. C'est le Sot Bey, vous connaissez, voilà, c'est ce boucher turc qui est assez connu hein, en Turquie. Voilà, il a une grosse chaîne de restauration. Et vous voyez ce petit geste pour poser le sel sur la viande. Il est connu, il a fait le tour du monde et franchement il serait vraiment fun à voir dans Destiny. Le deuxième, c'est un geste d'Obama à la fin d'un discours. Voilà, le lâcher le micro, le célèbre lâcher le micro d'Obama. Franchement, il serait vraiment terrible celui-là dans Destiny également de le voir arriver. Et le troisième, vous allez voir, vous le connaissez forcément également. Alors j'ai pris la vidéo hein, tout simplement d'un amateur. Mais voilà, c'est un mec qui lance des billets. Je crois qu'à la base ça vient d'un clip de rap, j'ai pas réussi à le retrouver. Mais voilà, c'est le fameux lancer de billets. Et ça serait vraiment fun également de le voir arriver dans Destiny 2. Et on va désormais visionner les idées que vous m'avez données. Donc la première idée, c'était la vague. Donc c'est une figure assez connue dans le hip-hop. Hein. Vous connaissez en plus le mec, l'a fait vraiment super bien sur cette vidéo. La vague, c'est vrai que ça serait assez marrant de l'avoir arrivé sur Destiny. Le deuxième geste qu'on m'a donné, c'est le téléphone de Griezmann. Pour ceux qui connaissent un petit peu, qui regardent un petit peu les matchs de l'équipe de France ou de l'Atlético Madrid. Voilà, c'est un geste qui à la base vient du rap et notamment de Drake, voilà, aux États-Unis. Et du coup, il a repris un petit peu à sa version. On m'a donné également une autre célébration qui est celle de Cristiano Ronaldo, vous le savez peut-être pas, mais moi je suis un grand fan du Barça, mais faut le dire, la célébration de Cristiano Ronaldo a quand même fait le tour du monde, vous la voyez, elle est vraiment super connue, et c'est vrai que ce geste est assez fun, et vous voyez à l'arrière-plan, on fait une petite pause, ce petit blond qui fait un fuck, il y a des gens aussi qui m'ont dit pourquoi pas mettre un fuck dans Destiny, non franchement par contre ça je trouve pas que ce soit une bonne idée, au contraire, ça serait pire de mettre un geste comme ça, c'est quand même un geste assez violent et vulgaire, moi je préfère quand même mettre un geste fun, en tout cas, la célébration de Cristiano Ronaldo, elle serait complètement la bienvenue dans le jeu. On m'a parlé également de Michael Jackson et notamment du moonwalk. Alors c'est vrai que la danse de Billie Jean, les gars, je sais pas si vous la connaissez, je vous mets un petit passage, elle est extraordinaire et ce serait vraiment fun de l'avoir arrivé dans Destiny. Il me semble qu'on avait la danse des zombies qui venait déjà d'un clip de Michael Jackson, voilà, mais celle de Billie Jean, comment elle serait vraiment bien à mettre dans Destiny 2, ce serait vraiment fun que Bungie la reprenne. Ensuite, vous m'avez envoyé directement des gifs sur Twitter. Alors, il y en a qui risquent d'être assez compliqués à mettre en place, mais bon, je vous ai quand même mis ça dans le montage. Le premier vient de ZF Kev. Alors, celui-ci, c'est vrai que vous le connaissez forcément. Ça vient à la base d'un gif. Enfin, voilà, c'est des potes qui se chambent sous un arbre aux États-Unis. Et ça a été repris en mode gardien. Et voilà, franchement, ça sera assez fun, mais voilà. Comme je l'ai dit, assez compliqué à mettre en place. Le deuxième a été envoyé par la Playbox. Alors, celui-ci, par contre, on pourrait le mettre en place. Hein. Voilà, c'est quand tu te demandes à quoi te servent tes coéquipiers, voilà, en PvE ou en PvP. Ça a été repris également par Black 84 qui me l'a mis en mode voilà un chasseur tout simplement, c'est le même que celui de la Playbox. On a également Black Ryan qui m'a envoyé celui-ci, voilà, tu tapes sur le front, en gros tu te dis ouais les gars vous êtes fous quoi, tu crois que tu vas me tuer assez facilement comme ça. Il y a également Alexis qui m'a envoyé le Shooting Star, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de détourer un personnage et de l'intégrer à un décor avec une musique assez fun. Bon, assez compliqué à mettre en place dans Destiny, mais je souhaitais vous le partager. Chonchon27 également qui nous envoyait une fille qui danse pendant un festival, et c'est vrai qu'elle danse vraiment super bien. Alors des danses, il y en a plein dans Destiny, on en aura sûrement encore plein dans Destiny 2, ça on peut s'en douter, voilà. Mais c'est vrai que cette fille-là, elle danse vraiment super bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu dans l'espace des commentaires. Et on a également donc un dernier gif qui m'a été envoyé, lui, directement par GrassMat. Alors par contre, je ne sais pas d'où vient ce personnage, mais c'est vrai que voilà, la danse est vraiment super fun, et ce serait assez sympa de l'intégrer dans Destiny 2. On a fait le tour un petit peu de tout ce que vous avez pu m'envoyer sur les réseaux sociaux, voilà, les emotes que vous attendez. Alors évidemment, vous, derrière votre écran,
écran. Vous avez également plein d'autres idées en tête, hein, des gestes qui sont assez à la mode, ou plutôt des gestes qui ont marqué peut-être l'histoire. N'hésitez pas à me dire quel geste vous aimeriez voir débarquer pour Destiny 2. Et vraiment, si vos idées sont assez intéressantes, pourquoi pas faire une deuxième vidéo un petit peu plus tard pour partager un petit peu tout ça. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss !